de l'écho qui oppose ce soir un binôme qui s'adore, surtout quand il ne se voit pas trop. Daniel Simonet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, membre de la France Insoumise. Jean-Marc Sylvestre, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Alors membre de quoi Jean-Marc Sylvestre? Il est membre de lui-même, non? C'est déjà un bon début. Bon, plus sérieusement, on y va aller. C'est vraiment le point qui cristallise les tensions entre le gouvernement et les syndicats, la fin du statut des cheminots pour les nouvelles recrues, pour les nouvelles embauches, il faut le préciser, d'où cette question. Les cheminots font-ils partie des privilégiés de la société française? Assurément non, nous a rappelé aujourd'hui Philippe Martinez, le leader de la CGT. Mais quand on liste, on va lister ensemble l'ensemble des avantages dont ils bénéficient en vrac, l'emploi à vie, entre 114 et 132 jours de repos annuel, tout en étant en 35 heures, 3100 euros brut de salaire en moyenne, un départ à la retraite à 57 ans et 6 mois, faut être précis, consultation gratuite des médecins de la SNCF, qui ne payent pas donc leur billet de train, qui payent 10% du billet pour leur famille. Est-ce que la question mérite d'être posée, Daniel Simonet, ou pas? Est-ce que ces avantages sont anachroniques? Est-ce que ce sont des privilégiés, ces cheminots, ou pas du tout? Alors, la façon de poser le débat est celle du gouvernement, qui veut faire croire que le problème... Ce sont des faits, là j'ai donné les faits, les avantages, non, ils sont... Le fait de faire croire que le problème de la SNCF, c'est le statut, et de pousser la population, finalement, à se diviser entre elles et à s'opposer aux cheminots qui seraient des privilégiés. Bon, je voudrais d'abord rappeler quel a été le salaire de Madame Parly, qui est maintenant notre ministre des Armées, et qui était une des directrices d'une entité de la SNCF. Elle gagnait 52 000 euros par mois. Là, on peut parler de privilèges. Hein. Je rappelle juste ce gouvernement qui, s'il s'attaquait vraiment aux vrais privilèges, c'est-à-dire les salaires des grands patrons d'entreprise, qui sont dans des sommes complètement hallucinantes, alors que ce sont souvent des grandes entreprises qui touchent beaucoup d'argent public à travers le CICE, mais attaquons-nous aux privilèges. Bon, le problème de la SNCF n'est pas du tout lié au statut des cheminots. Le problème de la SNCF est bien plus lié à la baisse des effectifs. Il y a déjà toutes les attaques de libéralisation qui ont été conduites sur la SNCF. On a besoin d'un service public des transports, des personnes et des marchandises. Or, justement, ce qui a été fait jusqu'à présent, moi j'ai ramené un petit plan, ça c'est un petit schéma, ça c'est un problème dans la SNCF. Vous avez vu, je vous ai ramené ça parce que là on voit sur cette carte, eh bien, toutes les voies ferrées que nous avions en 1910-1930, et de l'autre côté, ce qu'il reste en 2008-2014. Il faudrait faire la troisième carte, ce qu'il resterait si on n'arrive pas à stopper Macron, qui, à travers sa réforme, eh bien, va contribuer à fermer des lignes, alors de manière totalement hypocrite, parce que c'est pas lui qui va les fermer, il va décharger aux régions et à la concurrence les régions qui sont totalement asphyxiées et qui vont fermer les lignes. Et donc les cheminots ne sont pas des privilégiés, c'est pas le fond du problème selon vous? Non, absolument si pas. Si la SNCF va mal, si les trains arrivent en retard, si le réseau est vétuste, c'est pas la faute des cheminots, c'est pas la faute de leur statut. Non, c'est par contre parce qu'on n'embauche pas assez de cheminots. Vous savez, regardez le scandale de Brétigny, il y avait un manque d'effectifs sur la maintenance qui a été attesté par les enquêtes sur l'accident. Il n'a pas l'air convaincu, mais ça vous surprendra pas, il n'a pas l'air convaincu Jean-Marc Sylvestre. Non, non, mais j'ai suivi, c'est passionnant. La question est-ce que les cheminots sont des privilégiés? Non. Non, ils ne sont pas des privilégiés. Et dans ce sens-là, ma consoeur a totalement raison. Les cheminots, au moment de leur embauche, ont signé un contrat d'embauche, qui correspondait à l'époque où ils l'ont signé aux conditions économiques, techniques et sociales de la SNCF. Et ce contrat sera respecté tout au long de leur carrière. Le gouvernement, d'ailleurs, dans sa réforme, a bien dit qu'il respecterait ce contrat et qu'il ne toucherait pas aux conditions de salaire, de travail, d'horaire des cheminots actuels. Maintenant, que les nouveaux contrats d'embauche, ceux qui vont venir, soient adaptés aux nouvelles conditions économiques, sociales et techniques de la CSNF, ça c'est une autre affaire, et c'est cette affaire-là qui est en train de se discuter. Alors pourquoi on est en train de modifier justement le statut pour les nouveaux embauchés? Pourquoi on va faire cela? Ben parce que l'ambition, c'est de satisfaire le client. Il n'y a plus d'usagers, il y a un client consommateur. C'est bien ça le problème. Il y a un client, et ben je suis désolé, mais les clients, on ne peut pas les tuer. Hein, on est bien obligé de faire avec. Il y a des régimes où on les tue et où on les emprisonne, mais on ne peut pas faire avec. Et les usagers de service public, vous préférez les pas clients, vous les avez tués?
les clients, ils ont des exigences. Ils veulent que ça marche. Ils veulent que les trains arrivent à l'heure. Ils veulent qu'il n'y ait pas trop d'accidents. Ils veulent que les gares soient propres. Ils veulent que les bagages ne se perdent pas. Et ils veulent aussi que le prix auquel on va leur vendre le train soit acceptable, dans des conditions économiques viables. Et bien tout ça, ça s'appelle une entreprise normale. Donc, premier point, on va faire une entreprise normale qui ne va pas dépendre des perfusions de l'État. Et on 13 va faire milliards d'euros par an. 13 milliards d'euros tous les ans. En gros, oui. Et ce qui lui permet d'ailleurs à la SNCF de sortir des résultats et qui sont faussement bénéficiaires. Je continue. Pardonnez-moi, je ne vous ai pas arrêté. Donc, l'entreprise peut devenir une entreprise normale, c'est-à-dire avec sans perfusion de l'État, avec un conseil d'administration qui sera responsable, avec des administrateurs qui seront responsables à la fois de la gestion et à la fois des dettes sur leurs conditions personnelles, comme dans toutes les entreprises. C'est ce qui fait que les trains vont arriver à l'heure, ça ? C'est peut-être ce qui fera que la technique s'améliorera, parce qu'on pourra comparer avec les choses. Je constate une chose, c'est quand on a nationalisé Air France, on avait le même débat. Ça devrait, ce sera une entreprise où la sécurité ne sera pas assurée, où les avions... Privatisé, vous voulez dire, privatisé. Voilà, ouais, on a mis la société en concurrence. Il se trouve que la société Air France, aujourd'hui, est une très très belle entreprise internationale qui porte haut le drapeau français, entre guillemets. Donc, je crois que l'idée, l'ambition, c'est de faire de la SNCF une entreprise normale et non plus un service public. Alors, mais en quoi le statut des cheminots plombe la SNCF? Et c'est là où il y a un désaccord avec Daniel Simonet. En quoi le statut de la statut des cheminots plombe la SNCF? Tout simplement parce que les coûts d'exploitation actuellement sont supérieurs à peu près de 30% à ce que fait la concurrence. Est-ce que la dette est due à ces coûts d'exploitation? La dette n'est absolument pas due à ces coûts d'exploitation, encore qu'il y a une dette de trésorerie importante. Hein, il y a une dette de trésorerie importante. Regardez très clairement, regardez là. Je vous répondrai moi, pour moi, à quoi est due cette dette? Il y a une dette d'investissement, qui est un investissement de grands équipements, de grandes lignes, des grandes lignes d'ailleurs qui ont été souvent demandées par des gouvernements avec des majorités de gauche qui voulaient faire... Et qui ont été financées par quelle méthode? Avec des grands travaux qui voulaient d'ailleurs relancer la demande, parce que vous savez bien, quand un gouvernement veut relancer la conjoncture, eh bien, il demande des grands travaux, et les premiers grands travaux qui lui viennent à la tête, à l'esprit, c'est de faire des lignes de TGV. On a fait des lignes de TGV, et on a sans doute le plus beau réseau de lignes à grande vitesse du monde aujourd'hui. Tant mieux, c'est un réseau qui nous a coûté très cher, avec une dette très long terme qui est effectivement importante. Ce qui nous a empêché effectivement d'entretenir peut-être le réseau secondaire qui lui n'était plus tellement bien fréquenté. Donc c'est ça le problème. Le gouvernement est très habile. Attends, je termine. Le gouvernement est très habile. Il change la structure de la SNCF. Ouais. Il redonne aux régions et aux élus qui sont les premiers à demander à avoir des lignes, de gérer eux-mêmes leurs lignes. Et c'est comme ça. Et ça va, ils vont prendre leurs responsabilités. Ils vont se débrouiller comme le fait n'importe quel chef d'entreprise. Qu'est-ce qui vous plaît pas, Daniel Simonet, dans ce que vous entendez maintenant, là? Non, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que M. Sylvestre reconnaît que la dette de la SNCF n'est absolument pas liée au statut... Non, mais moi, j'ai rien à faire là-dedans. ...des cheminots. Donc, déjà, c'est une position honnête. La dette de la SNCF, elle est liée à la fois donc à ses investissements, comme vous l'avez dit, mais surtout à la façon... Madame Simonet, la SNCF, ça ne marche pas. C'est ça le problème. Je termine. La SNCF, donc la dette... Les trains n'arrivent pas à l'heure. ...est liée à la fois aux investissements colossaux qui ont été privilégiés sur les lignes à très grande vitesse et qui ont été faits par des partenariats publics-privés. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit l'État qui investisse, on est passé par des partenariats publics-privés et donc on s'est endetté sur les marchés financiers. Et donc une énorme partie de la dette qui pèse sur la SNCF est liée à cela. Donc la première grosse erreur de gestion a été faite par les partenariats publics-privés. Bon. Ensuite, il faut savoir qu'on a plus de 100 000 emplois qui ont été supprimés à la SNCF en 25 ans. Et donc les problèmes de trains en retard, d'accidents, sont liés justement au fait qu'on a réduit très fortement les effectifs au niveau de la maintenance. Bien sûr. Et là, on a privatisé les compagnies aériennes et il n'y a pas plus d'accidents. Il y en a plutôt moins. Alors, on privatise la SNCF. Ne dites pas que le statut est un facteur de sécurité. Ça n'est pas vrai. Bien sûr que si. Ça n'est pas vrai. Alors, en Angleterre. Ça n'est pas vrai. En Angleterre, il y a moins d'accidents qu'en France. Eh bien, c'est faux.
en Angleterre, il y a tellement d'accidents il y a tellement d'explosions des tarifs. Mais évidemment. Ah, explosion des tarifs en Angleterre. Explosion des tarifs, monsieur Sylvestre. Non. Que vous avez deux Anglais sur trois qui demandent aujourd'hui la nationalisation, tellement ça a été une catastrophe. Ben, la privatisation de l'équivalent de la SNCF. Demande aussi la sortie de l'Europe. Et lorsque vous avez ce gouvernement qui veut transférer aux régions les lignes de proximité, au moment même où les régions sont asphyxiées, vous savez très bien que c'est pour fermer les lignes. Si vous êtes en situation d'habiter en zone rurale, que votre maison est isolée, et que demain, eh bien, on estime que finalement, on va pas vous amener l'électricité jusqu'à chez vous parce que ça n'est pas rentable économiquement, vous trouveriez ça scandaleux, car il y a une mission de service public qu'il faut absolument préserver. Pour la mobilité, le droit à la mobilité et la question du train, c'est la même chose. Donc il faut défendre pour des raisons sociales et des raisons écologiques. Vous avez remarqué que les Français, pour l'instant, soutiennent le gouvernement dans cette réforme du statut des cheminots pour les nouvelles embauches. 69% aujourd'hui, sondage. Un bourrage de crâne. Ils veulent que le sondage fonctionne. Il y a un bourrage de crâne qui est fait sur le fait que le problème serait le statut des cheminots. Mais vous avez d'autres sondages qui montrent que une majorité des Françaises et des Français soutiennent les luttes sociales et dans ce pays pour défendre les services publics et sont attachés à leurs services publics. Et moi, je vais vous dire une chose. Le 22 mars prochain, vous serez surpris par l'ampleur de la mobilisation. Parce que vous aurez une mobilisation forte des cheminots, j'en suis certaine. Mais vous aurez aussi une convergence d'autres luttes. Et vous verrez le soutien de la population. Parce que tout le monde sait pertinemment que dans ce pays, nous avons besoin de services publics. Et pour avoir des services publics de qualité, on a besoin que des hommes et des femmes soient bien traités. Et le statut des fonctionnaires, le statut des cheminots est finalement assez proche de celui des fonctionnaires, puisqu'ils sont d'ailleurs une entreprise publique. C'est comme ça que ça a été conçu. Et finalement, leur salaire est extrêmement proche du salaire moyen en France. Moi, j'ai les éléments là-dessus. À 100 euros près, vous avez raison. Exactement, voilà. Donc, vous êtes dans une situation où finalement, au niveau... Je vais vous laisser. Je n'ai pas d'autorité pour avoir le mot de la fin. Je ne comprends pas comment la France entière va descendre dans la rue pour soutenir des catégories de personnel dont le statut n'est pas attaqué. Voilà, c'est tout. Je crois qu'il ne sera pas attaqué du tout, puisque le contrat du statut est préservé. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les syndicats sont en train de chercher des portes de sortie qui soient plus responsables. Et ils ont totalement raison. S'ils ne trouvent pas de porte de sortie totalement responsable, ils vont se décrédibiliser eux-mêmes. Il y a un problème, je vous en supplie. Reconnaissez que la SNCF, ça ne fonctionne pas. Oui, ça ne fonctionne pas. Le libéralisme, les directives libérales européennes sur la SNCF, c'est une catastrophe. Vous avez une chute. Mais enfin, c'est pas de la faute de Bruxelles. Vous avez dit ce binôme. Ce binôme fonctionne bien. La politique libérale, c'est le chaos. Prenez le train de temps en temps. Monsieur Sylvestre représente le gouvernement. Prenez le train de temps en temps. Présentez-le ainsi la prochaine fois. Prenez le train de temps en temps. Allez, Jean-Marc Sylvestre d'un côté. Apportez-lui la tisane la prochaine fois. Allez, Daniel Simonet. Allez, revenez vite, ça va. Vous nous avez manqué pendant les vacances. Daniel Simonet, donc, membre de la France Insoumise, et Jean-Marc Sylvestre. Merci à tous les deux.